il en fait pour nous. On le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Des progrès, progrès à la base. Je procède à des firmes. Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien parce que moi c'est Erito et c'est moi votre humble serviteur. Moi en tout cas, je vous dis la vérité, c'est pas la forme. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas la forme. Je suis en train de lutter pour ne pas tomber ce mois de décembre là. Mais c'est pas la forme. Voilà, mais quand Dieu me fait grâce, je suis sur pied. Mais c'est pas la faute. Donc priez pour Erito. Voilà, priez vraiment pour Erito parce que je me sens vraiment, vraiment pas bien. Dans cette vidéo-là, je vais vous entretenir un peu sur la question du cancer de Debordo Lukufa qui se déroule ce 20 décembre-là. Nous sommes seulement à 15 jours. Hein, nous sommes seulement à 15 jours. Et juste après mon intervention, je vais vous présenter une série de vidéos et vous allez voir vous-même toutes ces stars-là qui ont confirmé leur présence au concert de ce gros monument du coupé décalé de notre musique ivoirienne, alias Debordo Lukufa. Vous savez, quand je vous disais que ce concert-là, c'est pas un petit concert, vous ne me croyez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas voir des stars comme Gou, Digby Cravat, Ramatoulaye, qui encore, Kedjevara, DJ Kérosène, Baby Philippe, toutes ces stars-là confirmer leur présence au concert de Bordeaux. Et puis vous allez penser que le gars là, il va taper poteau parce que le temps pour vendre ses tickets sont petits. Vous allez voir qui est de Bordeaux. Vous allez voir qui est de Bordeaux. Je vous avais dit aussi que l'artiste de Bordeaux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de parrains. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de parrains. Donc il y a des personnes qui vont payer 500 000 tickets pour distribuer. Voilà, comme ça se fait avec tous les autres concerts. Ça va se passer aussi pour de Bordeaux, Lukufa. Mais en même temps, moi aussi, si je fais cette vidéo-là, c'est pour toujours interpeller ces fans-là qui sont prêts à tout pour les artistes de Bordeaux de continuer à acheter les tickets comme ils ont commencé. Voilà, faut pas qu'il y ait une pause. Faut pas qu'il y ait une pause. Faut qu'on dise que en 20 petits jours, de Bordeaux a pu réunir 15 000 personnes. C'est un exploit. Et il sera, je pense, le premier artiste coupé-décalé à le faire. C'est pas donné à n'importe qui. Voilà. Moi, je connais la capacité de l'artiste. Je connais la force de l'artiste. Je connais l'audience de l'artiste. Je sais combien de fois l'artiste est aimé. Ça, je sais. Voilà. Donc, mon cœur ne bat pas trop pour ça, en fait. Mon cœur ne bat pas trop pour ça. Si moi, je fais des vidéos, c'est pour demander aux gens qui sont indécis. Voilà. Parce que soit ils ont peur de se faire voler, de se faire agresser à ce concert-là. Je peux vous rassurer que la sécurité sera de mise. Voilà, la sécurité sera de mise. Et puis, toutes ces stars-là ne peuvent pas être à un concert et puis il y a des personnes, y a des individus mal intentionnés qui vont s'amuser à vouloir faire du mal à ceux qui vont venir à ce concert-là. Voilà, la brigade de gendarmerie sera là, la brigade de police sera là. En tout cas, tous les corps seront présents. Donc, ne vous inquiétez même pas. Voilà, ne vous inquiétez même pas. Une autre chose, je vous avais dit que moi, je vais offrir des tickets à mes abonnés. Ne vous pressez pas, ne vous pressez pas. Je vais juste vous poser une question, une petite question. Voilà, j'espère que vous allez faire des recherches pour trouver ça. J'aimerais que vous me donniez mon nom à l'état civil. Mon nom à l'état civil, voilà, mon nom à l'état civil. Celui que vous connaissez là, c'est pas ça, hein. Je parle de tout mon nom à l'état civil, voilà. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne trouvez pas, je vais choisir au hasard des gens à qui je vais distribuer les tickets. Mais en tout cas, vous aurez les vidéos à l'appui, toutes les preuves qui vont suivre, quoi. Voilà, ne vous inquiétez même pas. Mais c'est juste une manière de vous donner envie de vous intéresser au concert de Debordo Lukufa. C'est juste pour voir si vous êtes vraiment, vous avez vraiment, vraiment envie d'aller au concert de Debordo Lukufa. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, tout à l'heure, vous allez voir une vidéo. Vous allez voir des séries de vidéos avec tous ces stars-là qui confirment leur présence au concert du 20 décembre avec Debordo Lukufa. Donc, merci de soutenir l'artiste. Merci de prier pour la réussite de ce concert-là, parce que c'est la musique ivoirienne qui gagne et elle triomphera toujours. Elle triomphera toujours. Tu es fan de Debordo, continue à acheter tes tickets. Continue à acheter tes tickets. Moi, en tout cas, je vais partager beaucoup de tickets. Voilà, quand je parle, je fais. Les fonds sont là, ça dort. Voilà, les fonds sont là, ça dort. Donc, si j'ai dit, je vais faire. Si j'ai dit, je vais faire. Bon, je ne vais pas être assez long, voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Maintenant, appréciez-vous-même toutes ces stars-là qui seront au concert de Bordeaux. Si la vidéo t'a plu et tu penses que je mérite un pouce bleu, ne te gêne pas à me donner un max de pouce bleu. Et puis, abonne-toi si tu es nouveau
Partage surtout la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. Partagez mes vidéos, les amis. Que Dieu vous bénisse. C'était Ritor, votre humble serviteur. Bon visionnage à tous. Et rendez-vous pour ce 20 décembre au Palais de la Culture avec l'artiste de Bordoli Koufa. Ça chauffe pas. Parce que dans notre mouvement, là, il y a toujours Dieu dedans. Voilà. Ciao, ciao. Bon visionnage à vous. Bonjour. Moi, c'est Michel Gaoui. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Le 20 décembre, au Palais de la Culture, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Ah, un événement de taille. De Bordoli Koufa. Il va gâter le coin. Ah, c'est gâté. Quand Dimbé raconte des conneries, quand il dit, ouais, la chanson du petit là, c'est pour lui, c'est faux. C'est ma chanson, c'est moi qui ai composé ça. Quand il dit, ah non, viens, combien? Bah, c'est moi qui ai composé ça. Si toi, Dimbé, tu es sûr que c'est toi qui as composé cette chanson, on n'a qu'à se courager le 20 décembre au Palais de la Culture. Mais on va se laisser. Spectacle du petit Koufa, on va se laisser dire ce jour-là. Mais j'ai dit, on va se gifler quoi. C'est Dieu seul qui va nous séparer. Venez, vous allez être témoin de ce qui va se passer au Palais de la Culture, au spectacle de Bordoli Koufa, c'est le 20 décembre. Venez, vous allez voir. Vous allez être témoin de ce qui va se passer. À bon entendeur. 20 décembre, une date à n'oublier sous aucun prétexte. Notre papa top. Notre Mimi National, notre Bordoli Koufa, au Palais la Nation, en concert live. 15 ans de carrière au Palais de la Culture. Ne te fais pas raconter l'événement. Recevez le kérosène, le V de la victoire, l'élégation totale. Dieu par sa grâce, on sera là pour faire le choix avec notre frère. On ensemble, à bientôt. Je suis content parce que le 20 décembre, ce qui va se passer au concert de Bordeaux, c'est pas bon. Je préfère vous dire que c'est pas bon. Parce que lui, il a pris ma chanson. Et puis aujourd'hui, ça marche, il ne veut pas me payer. Ningro. Est-ce que vous savez qui est Ningro? Le 20 décembre, là, quand je vais arriver là-bas, lui-même, là, devant tout le monde, il va demander pardon. Salut la famille, c'est Zouron Porio, DJ K. Jevara, t'as reconnu la voix. Je confirme ma présence ce 20 décembre au Palais de la Culture pour le concert du Mimi National, le talentueux, le dangereux de Bordoli Koufa. Confirmation de moi. Moi, je me nomme DJ Kejevara. Ce 20 décembre au Palais de la Culture, 15 ans de carrière du Mimi National. Ça va faire peur. Dames et messieurs, dis à ton voisin que ça va chauffer ce 20 décembre au concert de Bordoli Koufa. On est ensemble. Ha. Nicoroni, Nicorona, Ningoro. Il va chier. American soldier. Baby, ah, babadi, onino, ya solo. Baby, ah. Il m'appelle de Bordoli Koufa, ben. Et si, ben. Vas-y, là, trop mélodie, mélodie, mélodo. Y'a feuille, les gars. Il te laisse ça, bouton qui me fait là. Mais à force, ça n'a rien à voir le concert. Moi, je vous invite le 20 décembre au concert de mon gars, de mon fils qualité, de mon chouchou, bah chouchou. Il s'appelle de Bordoli Koufa. Elle mimi. Ah, le gars, là, il chante. Live impec. Le 20 décembre, Palais de la Culture, venez borotiser l'artiste, venez soutenir l'artiste, venez vous enjailler au son de ses baillements. Voilà, que Dieu soit sous ta serre, soutenez vos artistes, c'est important. Et puis moi, je fais le bon, voilà, au moins sera calé pour borotiser, voilà, débordaille, débordo, voilà, toujours les Koufa, El Mimi. Voilà, moi c'est Dali Gégué, le numéro 9 du Zougourou, ce 20 décembre, venez nombreux soutenir de Bordoli Koufa, moi-même je serai là. Eh, hey, il est où? Débord. Il est pas gâté, il arrive. Oh, calme, on sera là, 20 décembre, pas la culture. Venez nombreux les gars, ça sera moi. Quand tu connais, on a allez, ça. Ciao, ciao. Le Mimi quoi, le 20 décembre, ya. Yeah. On va casser Palais de la Culture là. Mimi, il y a pas l'homme pour toi. Soutien total. Yeah. Même soutien même qu'on appelle ça.
Après tout à l'heure, quand même. C'est à quelle station, quand même?